Je suis un peu stressé, mais j'attends de voir le sujet pour commencer. Je suis sereine et j'attends juste qu'on lance les épreuves pour voir ce qu'on va faire. Dès le début de l'école, j'étais prête à affronter l'examen. Ce sont les réactions des élèves candidats au baccalauréat général session juillet 2021 à quelques minutes de recevoir les polycopiés de la première épreuve de l'examen. Bien avant, le préfet Alexandre Honoré Paquet a visité le secrétariat du centre d'examen, puis a rendu officiellement les polycopiés de l'épreuve de mathématiques à un échantillon de classe, tout en exhortant les candidats à la discipline et au travail. Au sortir de cette ronde effectuée, le patron du département de Pointe-Noire s'est exprimé en ces termes. Quant au lancement de l'épreuve du bac, l'enseignement général, dans le département de Pointe-Noire, tout se passe dans de très bonnes conditions. La particularité même, c'est que nous avons créé une salle spéciale pour les élèves qui n'ont pas pu retrouver leur nom sous des listes, alors qu'ils avaient réuni les conditions pour se faire inscrire sur les listes. Nous n'avons pensé qu'avec le délégué national et le directeur départemental de l'enseignement à Pointe-Noire, il ne fallait pas que les élèves, les candidats, parcourent de longues distances. Tout est au beau fixe, tout s'est bien passé pour le lancement. Cet examen du bac général s'étendra jusqu'au vendredi 16 juillet avec les épreuves de philosophie et de l'éducation physique et sportive pour toutes les séries. Notons que le département de Pointe-Noire présente près de 21 000 candidats répartis en 70 centres.